je crois qu'il a pas apprécié. Moi je suis arrivé de là si je ne m'abuse. J'entendais pas mais je vois pas du tout où c'est gros. Dur Abdul, dur, dur frère. Mais saute frère, qu'est-ce que tu... Lui meurt pas lui. Non non non. Oh non. Oh, ouf. Oh. Où t'as filé, hein? On va te trouver. On va te tuer. Heureusement ça va, il a une main celui. Regarde-le avec sa masse. Trois balles. Ouais, d'accord. Oh, ils sont trop durs à tuer. C'est pas juste de disparaître. Je crois que c'est juste de rester en haut sur le toit, enfoiré.
toujours en attention, sérieux? Je voulais me battre. C'est quoi ça? LOL. Ouais. Pas de bagarre aujourd'hui. Il sait que je suis là. Il sait pas. Allez, sors de ton trou. Il sait pas que je suis là, moi. Mort de rire. Il faudra bien que tu te montres tôt ou tard. Tu vas tuer mon frère. Je te sens, petit. Je te vois. Je te sens, il m'a dit l'enfoiré. Combat de grenade, gros. Merci Badon pour le follow, welcome. Oh, il avait pas encore muté? Oh shit. Je peux pas lui parler de couilles. Ok. Sérieux, j'ai envie que ça devienne. Vous avez vu quand genre je joue pas. Quand je joue pas Soum Soum, comment ça se passe? Je suis obligé de jouer en mode infiltration parce que sinon je peux pas gros. Obligé, si je joue pas en infiltration, je gaspille toutes mes balles. C'est ouf, hein. J'ai pas un build fait pour ne pas jouer l'infiltre en fait. Je suis obligé, quoi. Salut Viper, ça vaut quoi, bien. Je suis obligé de jouer infiltre. C'est chaud. Toujours Badon, toujours. Ah mais le truc c'est que ça serait passé facilement, tu vois, si j'aurais joué en infiltre, ça serait passé facilement, franchement, je vais pas te mentir gros. J'aurais mis 2-3 balles et ça serait passé, mais là voilà, j'ai voulu foncer, voilà. C'est bon. Il avait un laser fusil de précision lui, non mais t'es sérieux. Alors explique-moi comment le chien il est monté là tout à l'heure. Est-ce que je peux avoir une explication s'il vous plaît? Il a ouvert la porte, il est monté le chien ou... Ça se passe comment en fait?
froid, le bordel, quoi. Bon, écoutez, c'est clean, hein. Pour un grand hôtel, j'aurais pensé que ça aurait été plus... plus prestigieux, plus, tu vois, je veux dire, fat, C'est un peu triste, je trouve. Ce qu'on s'emmerde. T'es où? J'arrive. Y'a un gadjo qui est sorti, qu'est-ce qu'on s'emmerde, gros? On s'emmerde alors. T'es sûr? Une balle ou deux dans le cul, t'inquiète, tu vas plus t'emmerder, gros. Bon, ici c'est fait. Du coup, je vais commencer à partir vers là-bas. Le problème. Le problème, ça n'est pas un, mais. C'est que là, il va falloir que je trouve vraiment full infiltre, sinon je vais plus avoir de balles. J'ai plus de balles dans rien, j'ai gaspillé mon 10 mm. J'ai gaspillé mon... Putain... Ma garde... Ma gardienne du superviseur. Encore une grosse pétoire et encore des munitions. Le sniper. 100 balles de snipe. Oula. Où? Où ça? Où ça? Comment tu veux que je sache qu'il est là, frère? Voilà, 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 voilà. Quel bâtard, quoi. Oh, la différence entre le coup en infiltre et le coup... c'est ouf, hein. Franchement, c'est dingue, quoi. Franchement, je vais pas te mentir. J'ai plus de 300 heures sur le jeu et je m'en lasse pas, quoi. Et j'ai joué vraiment dans une courte période, hein. J'ai joué quand il est sorti, j'ai joué pendant presque, je sais pas, 2-3 semaines. Oh merde. À parler à Preston Carvey, oh là là, ouf, ils sont loin ces quêtes. Mais franchement, moi je trouve qu'il est très intéressant, ouais. Après, chacun ses délires, mais... première fois que je vois ce jeu, trop chelou. T'es sérieux, gros? Salut, Santana, ça vaut quoi? Wesh. Ça fait plaisir, merci, Santana. Trop chelou? Ah ouais, faut kiffer. Hein. Mais c'est quoi les quêtes qui sont en train de s'échouer, là? Ah, c'est les quêtes du Commonwealth? Oh, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah, ça m'a enlevé des quêtes, quoi. Tant mieux, ça m'a gonflé, c'est les missions des miliciens, pour ceux qui se demandent. Rien de ouf. C'est pas des missions qui sont liées à Far Harbor. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces cocos, hein? Tu remontes, tu descends, tu fais quoi, frère? On va pas y passer toute la journée, s'il te plaît. J'ai l'impression de le voir de là. Ah, oh, il s'est baissé l'enculé. Faut aimer Viper, faut aimer, faut aimer. Et encore, je suis pas en survie là. En survie, te demande de boire, de manger. De dormir pour sauvegarder, parce que c'est le seul moyen de sauvegarder. Tu peux plus te téléporter de point en point. Très très chaud, hein. Je commençais un perso hier et avant-hier. En fait, j'avais fait la première survie, que je trouvais ça vraiment sans aucun intérêt, entre guillemets. C'était très facile. Allez. Je t'acharne, frère. Je gaspille des balles, mais bon, j'ai pas le choix.
pas passer 100 ans, j'ai pas envie là. J'ai pas passé 100 ans, j'ai pas envie. Bon, la première fois que j'ai joué au jeu, j'étais accro direct. Toutes les stats, plus 3 quand vous avez 25% de vie. Oh. J'étais accro direct. Bon, la première fois que j'ai joué, j'ai failli faire comme le mec limite qui a porté plainte contre Bethesda parce qu'il trouvait leur jeu trop addictif. Il y a un mec qui a fait ça quand même. Hein. Il y a un gars, Joe. C'est sérieux, c'est un vrai truc aux States. Il a perdu son travail. À la sortie de Fallout 4, il a perdu son travail, il a perdu sa femme, son enfant aussi, je crois qu'ils avaient un enfant ou un truc comme ça. Il a tout perdu à cause du jeu, il a porté plainte contre Bethesda pour addiction. Je vous jure, il est fatigué le gars, genre. Bras droit de trappeur, je sais pas si je les ai. Bras droit, jambe droite. J'aimerais bien me faire tout le stuff complet de trappeur. Même ça, c'est rien de ouf, hein, mais. Oh, qu'est-ce que c'était ça? Ah, c'était le. Ok, guy. Un américain, gros, qui a tout perdu, frère, à cause du jeu. Il est très addictif, hein, je vais pas te mentir, gros. Tu commences à jouer, tu as plus envie de t'arrêter. Personnellement, moi je trouve que personnellement, c'est un jeu. Quand tu commences vraiment à t'intéresser et tout, son nom, aucune idée, mec. C'est une personne qui m'avait dit ça. Je crois que. Et tu sais ce qu'ils ont fait quand même, Bethesda? Ils ont fait un truc à la sortie de Fallout 4. Mec, c'est un jeu qui était très attendu quand même. À la sortie de Fallout 4, ils ont sorti. Ils ont sorti Oh putain, enfin je. Oh là là. Ils ont sorti une lettre d'excuse en fait à imprimer directement sur toi pour un mot d'excuse pour pas aller à ton travail. Je te jure pour jouer au jeu. Ça va loin le bordel. C'est sorti dans le journal ou un truc comme ça, frère. Pas des blagues ce que je te dis, gros. Tape ça dans Google, plainte contre Bethesda pour Fallout 4, tu trouveras. Ouais, direct. Oh, un roi de fin jeu. Oula, il dit. Oula. J'aurais pas dû l'emmerder cet enculé. J'ai pas dû l'emmerder. Ok. Pour la tristesse, ah. Un peu moins triste du coup. T'es d'où? Tu es du 13? Ouais, je suis du 13, gros. Ah, je suis de Marseille, gros. On fait plus ça. Lol. Tu sais c'est qui ça? Ça c'est la mémé qui est déjà en train de bronzer, frère. Et que toi quand tu arrives en juillet ou en juin, tu vois que tu vas la première fois à la mer, que t'es tout pâle, gros. Mais genre la mémé elle est déjà noire. Tu vois, elle est en train de bronzer, cash. On en a tous chez soi des gadgets comme ça. Ou des gadgets, hein. Ou le pépé en slip, tout bronzé déjà en juin ou en mai. Ils sont noirs. Tu sais, la peau bizarre et tout, gros.
Bon, on va essayer de monter là. Odo. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Ça, c'est une nouvelle bête qu'ils ont mis dans le jeu. C'est rien. Salut Dreamex, ça va ou quoi? Bien. Je suis un fantôme. Je vais devoir équiper mes trucs, hein, en fait. Hein, genre, je vais devoir les équiper. Hein. Salut Ibou, ça va ou quoi? Ibou Web TV. Welcome, bienvenue, gros. Ce DLC, il est... moi j'aime bien, franchement, il est ouf. C'est un petit add-on sympa, franchement, avec une carte vraiment sympathique et tout. Franchement. Salut Fang. Fang Bang. Ça va ou quoi? Bien. Oh oui, le plus 4 il est passé. Allez hop, salut. Et je pense que tu es pas le seul là. Voilà, je le savais. Ah, c'est ça les attrapes en fait. Oh oh. Ah, ok. What the fuck? Il est tard, ça. Il balance des trucs en fait. En fait, je vous explique. Tout à l'heure, en fait, j'avais des trucs comme ça sur l'eau. Tu fais, oh, qu'est-ce que c'est? Tu commences à y aller. En fait, c'est des bêtes. Il y a des bêtes en fait. Tu vois ou pas? Oh, les bâtards. Merci, Ibu, pour le follow. Welcome. Et là, il y en a une là. Oh, la coquine. Ah, la coquine. J'ai récupéré ou pas? Oula. Radiation. Radiation time. Ah. Ah, les yeux, putain. Ok. J'aimerais bien me réfugier. Tu as une armure et tout? Ouais, j'ai une armure, mais je m'en bats les couilles en fait de l'armure. Je m'en bats les couilles, gros. Je suis en mode de trollolol en fait. Oh, la tristesse. Ok. J'aime bien ce petit truc là. Droit, je crois que je l'ai pas au bras gauche. Attention, je vais regarder, je vais faire le tri. Alors, tenue, bras droit, jambe droite, jambe gauche. Oh, j'ai eu ma cela. Bras gauche et bras droit, c'est bon, j'ai tout. Oh merde, j'ai été le mauvais roi. Ok. Good, good. C'est bon, c'est bien. Oh oui. Salut toi. Et hop, le légendaire, salut. C'est un DLC genre comme à la pointe de Lookout ou de Fallout 3. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai pas trop compris, gros. Basé sur une ambiance horrifique.
Je sais pas du tout. Je pense que peut-être des gens vont te répondre, frérot. Je saurais pas te dire en fait. J'ai pas envie de t'injurer en erreur ou quoi, frérot. Là, ça sent l'armure assistée, ça. Les autres sont fin fond, quoi. Prochaine fois. Bug de hitbox, frère, non, c'est pas sérieux là. Oula, 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 il est pas content, frère. Calme-toi. J'allume pas trop la lumière, je suis désolé l'équipe, hein, mais ok, pas de soucis, merci, bah non. Je vais peut-être me le prendre, franchement, gros. Si tu aimes bien les délires post-apocalyptiques et tout, le speech il est basique, encore une fois, ce qui fait le jeu, c'est pas vraiment l'histoire et tout, c'est vraiment un fusil 10 points de dégâts cryogéniques qui congèle les cibles en cas de coup critique, pas mal. Ce qui fait vraiment le jeu, c'est tout son univers. Oh putain, je suis trop lourd. J'ai combien, 363? Oh putain. Le problème, c'est que tu sais que je m'en servirai pas de ces armes. Je sais que je vais pas m'en servir. Franchement, déjà, carabine de combat. Pourquoi j'ai une carabine de combat? Je sais pas. Mine impulsion et tout. Vous savez, je l'utilise de temps en temps. Ah, c'est vrai, j'ai pris le harpon. Crochet à viande, ouais, d'accord. Non, ouais, c'est comme ça. Ok. Donc du coup, j'étais en train de te dire, franchement, ce qui fait le jeu, c'est vraiment tout son ensemble, en fait. Tu vois, je te dis, c'est pas vraiment... j'ai pas compris que tu parlais de... Ouf. Je croyais que tu voulais un avis sur le DLC en général, mais... Ah, pourquoi il a un nom, lui, Bilge? C'est plus post-apocalyptique, tu vois, moi, je te dirais, gros, mais... Ça fait 2 heures que tu veux. C'est bon, frère. Faire très attention sur ce que tu prends, sur... tu vois, je te dis, il y a pas mal de choses à regarder aussi. 3 kilos. Ah, mais c'est de l'aluminium, quoi. J'ai des tarpins besoin. Pff. Pas grave, hein. Il y en a, il me renifle, frère. Il y en a, il me renifle, gros.
Ok, bon, lui il dort, c'est pas mal. Tu n'échapperas pas. Je finirai par te trouver. Ah, t'es toujours en haut. Oh là là, la tristesse. Ok, j'arrive. Ok, au fait, c'est la première fois que je regarde ton stream. Tu fais quoi comme stream? Je fais un peu de tour. Là, cette semaine, je fais du Fallout 4. Et là... C'est bon, on est comme moi. La semaine prochaine, je m'attaque à The Witcher 3. Du moins, en fait, j'avais fini le jeu pratiquement à 100%, mais j'avais jamais fait le DLC. J'ai eu un reformatage de PC à faire. J'ai oublié de garder ma sauvegarde. J'ai tout perdu. Du coup, je recommence le jeu et je vais faire le premier DLC, le deuxième qui sort le 31, je crois, le 31 mai ou le 29 mai, je sais plus. Donc sinon, un peu de tout. La semaine dernière, j'ai fait du Doom, du Uncharted aussi 4. C'est vraiment du multigaming. Gros. Un clic sur mon profil, tu verras un petit peu genre tous les moments forts. Dark Souls 3 aussi, bientôt platiné. Un peu de tout, frérot, un peu de tout. Et welcome, bienvenue, hein. Bienvenue, Ibo. Tout ce qui me fait kiffer, on essaye de mettre le faire en live, tout simplement. Je suis pas restreint sur un jeu, tu vois, genre je suis pas bloqué en mode... Attends, je vais te mettre une bastos, je m'en gonfle. Quoi? Oh merde, il était juste là. Ouais, du coup, la semaine prochaine, The Witcher 3. Je sais pas, j'ai pas mal de trucs à faire. Ah, ça fait du bien un peu de lumière. J'ai pas mal de choses à faire en fait. J'essaye de mettre un petit planning sur les streams. Et je suis vraiment fan de la licence de The Witcher. J'avais fait le 1, le 2 et du coup le 3, je l'attendais avec. C'était même plus impatience en fait, c'est... Je sais pas comment décrire, quoi. Je suis un putain de fanboy sur ça, franchement, je vais pas te mentir, The Witcher. C'est le seul jeu où j'ai acheté un collector. Metal Gear Solid aussi, j'ai bien kiffé malgré... Oh, le con. Malgré quelques trucs qui m'ont fait un peu rager sur le jeu, mais... Ok, bon, par ici ça a l'air d'être pas mal. Essaye de clean un petit peu toutes les zones, équipe. Hein. M'en voulez pas, j'ai pas encore commencé le DLC à proprement dit. T'es pas mort? Oh le paltrain, il était pas mort? Et si tu veux savoir les plannings, frérot, c'est dans la description. Clique sur l'image agenda. Je stream tous les soirs à 21h à peu près. Sauf le vendredi, donc demain, je stream l'après-midi. Parce que je peux me le permettre, il n'y a pas ma fille chez moi ni ma femme. T'étais pas mort? C'est un truc de fou ce que tu me dis là, gros. Faut le vivre ce que tu m'as fait un peu là. J'suis tombé en fait. Le coquin. Ouais, du coup, désolé l'équipe, je suis dans le noir complet. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, cool. Dur de coup, la sauvegarde The Witcher. Ouais, surtout que j'avais pratiquement fini à 100% le jeu, gros. Donc, ouais, je suis très très dur. Franchement. Très 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 dur, mec. Je suis vraiment vraiment mauvaise hein, sur le jeu. Je vais pas te mentir, je m'en bats les couilles, tu vois. Les jeux, je m'en fous, gros. On les recommence. Merde, c'était une poupée. Il y a une galère, on recommence, tu vois. C'est pas le souci. C'est là, je sais pas. En plus, The Witcher. C'est pas comme si c'est n'importe quel jeu. Je sais pas d'où je l'ai tué en fait. Ah, il est là. Non, je le prends pas, frère.
suis obligé de le prendre. Il te moque. J'ai pas envie, gros. Franchement, garde-toi le ton tuyau. Je vais pas te dire de te le mettre dans le cul, tu vois. Ce serait mal poli, mais. Du coup, tellement bon le jeu qu'ils vont le faire tranquille, je pense. Moi, j'attends aussi le deuxième DLC payant, il a l'air lourd. Ouais, ben. Je t'ai dit, mec, moi, franchement, je suis fan de la licence, donc. Je suis vraiment fan du bordel, et tu verras hein, si tu passes la semaine prochaine. Je suis un putain d'enfant, tu vois, quand je joue à ce style de jeu. Et franchement, Fallout, c'est une licence que je connais depuis peu de temps. Et je suis vraiment tombé amoureux direct. Ça, on m'avait dit Fallout, tu vois, tu vas t'y mettre, tu vas péter un plan. Et en l'espace de je sais pas combien de temps, ou en peu de temps, j'ai tellement joué au jeu. Je l'ai soudé, j'en ai fait des tutos. Et ça me fait délirer parce qu'il y a des mecs, bordel, en commentaire justement sur les tutos qui me disent, mec, t'es passé de l'état de noob à l'état de tuto sur. Et c'est, du coup, c'est toi qui nous fais découvrir où sont les armes et tout. Et là, ils ont rigolé. Hein. Là, ils ont rigolé. Hein. Ouais, du coup, je suis tombé complètement fan du truc, quoi. Par là, c'était non. Ouais. Ok, ça, on va laisser ça là. On va laisser ça là. Oh, et bien, la cheveux, ça va, ça prend. C'est bon. Les commandes, quoi. Ok. Je prends vraiment les munitions et je me casse. Hein. J'ai pas le temps là, j'ai pas le time. Oh, il t'a habillé chelou lui. Hein. C'est vraiment un vieux chelou. Fuck, dans 5 heures. Donc je vais devoir vous laisser. Y a pas de soucis, Darky. Merci beaucoup pour le soutien, frérot. Tu aurais dû te coucher plus tôt, mec. 5 heures, c'est pas assez. Oh. Je te dis ça alors que je suis un putain d'insomniaque. Moi, genre, je dors pas beaucoup aussi. Mais c'est important, frérot. Surtout à l'école et tout. Fais attention. Prends soin de toi. Allez. Excellente soirée. Ah oui, ça me plaît ça. Bon. Bon. Oh, une bouteille de whisky, tiens, ça va plaire à Sullivan. Salut Nono, ça va ou quoi? Tranquille, désolé, je t'avais pas vu. Il y a un but dans le jeu. Oui. Ben l'histoire. Il y a de l'histoire en fait. Il y a de l'histoire et après tu peux visiter la map comme ça, genre comme je suis en train de faire. En fait, t'as une map qui t'est proposée. Bon là, c'est celle du DLC, celle-là. Hein. C'est celle du DLC. Et d'ailleurs, c'est cool qu'ils ont mis une map sur le DLC parce que voilà, le premier DLC il était assez maigre, on va dire, assez pauvre en contenu. Et celui-ci te propose vraiment des petits trucs. Donc, certes, la map est pas la map n'est pas remplie, mais il y a pas mal de petites choses à faire, tu vois. Il y a pas mal de petites choses à faire et donc moi franchement j'apprécie. Oh merde, quel con. J'apprécie le geste. J'apprécie le geste. Non. Ok, je veux pas rater des trucs. Et de toute façon, quoi qu'il arrive ici, je crois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On va se TP chez Sully. Et du coup, ouais, franchement, les levels, ils sont pas illimités, mais tu peux y aller. Regarde, je suis niveau 73, je peux encore jouer, il y a pas mal de choses à faire. L'exploration, en fait, je te dis, encore une fois, frérot, Viper, le jeu en lui-même, l'histoire, elle est bien sans être vraiment ouf, tu vois. C'est pas un jeu comme avec The Witcher, où il y a vraiment un gros truc derrière l'histoire. Il y a des rebondissements, qu'il y a de la traîtrise, ou... Il y en a un petit peu sur Fallout, mais Fallout, c'est vraiment... Tout ce qu'il y a sur la map qui fait que le jeu il est ouf en fait. C'est que tu peux passer vraiment de longues heures dessus. Il y a le système, encore une fois, il y a le système d'armure.
Tu vois, donc t'as un système. Mais en fait, voilà, ça c'est ton Pip-Boy. C'est ton sort d'ordinateur portable que tu as sur toi. C'est comme si tu avais une montre Apple Watch, mes couilles. Et que genre cette montre Apple Watch s'appelait le Pip-Boy. Et dedans, en fait, tu as tes statistiques. Tu as tes pouvoirs spéciaux. Tu as tes aptitudes. Tu as ton inventaire. Tes données pour tes quêtes. Donc toutes les quêtes que j'ai fait sur le jeu, tu peux y aller, gros. Il y en a. Ta carte. Et des radios. Tu peux mettre des radios aussi avec des musiques. Dormez tranquille. Voilà, tu peux mettre des musiques. Sachez que l'avenir s'annonce radieux. Et tu as des musiques sur le jeu. Et encore une fois, je mets pas les musiques parce que je vais me taper des droits d'auteur sur YouTube. Mais sinon, les musiques sont juste énormissimes. Franchement. Hein. Et les musiques sont énormissimes. Et on va dire que ça gâche un peu de du gameplay. Voilà, quand vous mettez un gameplay. Voilà. Par contre, c'est musique années 70, un petit peu jazz, un petit peu. Tu vois, je te dis. Pas mal de classiques. Et là, tu te balades comme ça et tu démontres les mobs. C'est un délire, gros. C'est vraiment un délire particulier. Mais quand tu tombes dans le délire. J'ai vu un level 127 aujourd'hui. Oh, je pense que j'aurais pu le faire, gros. J'ai deux persos level 45 et un perso level 73. Donc, largement, gros. Voilà, après, tu joues au jeu avec ta radio. D'ailleurs, ce son n'y était pas. Une petite pépite, ce truc-là. C'est pas le son qu'il y a dans... C'est la gadget qui vient ça, là. Putain, elle est dans le jeu, je crois. Un truc de ouf. Ouais. Bon, bref, après, tu as la radio classique, Radio La Liberté. Ici, Radio Liberté. Et dans ton inventaire, en fait, voilà, tu as plein, pas mal de trucs. Donc, tu as tes armes, déjà. Des armes avec des... Il y en a qui sont des armes classiques. Il y a des armes que quand tu tues un légendaire, un mob légendaire avec une étoile sur la tête, ça te donne des armes, on va dire, spéciaux. Tu as des armes qui te confèrent des trucs. Par exemple, celle-ci, c'est mon sniper, celle que je joue actuellement. Elle a dégâts accrus de 25%, tu vois, c'est écrit juste là. Là, le JK, c'est moi qui ai changé le nom. Je peux changer le nom des armes. Ensuite, tu as tes tenues. Donc, chaque tenue, tu le vois par rapport à ton perso, peut t'octroyer, peut t'upgrade... soit un peu plus de force, par exemple sur le bras droit, en fait tu peux mettre bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, un plastron et ensuite une combinaison en dessous. Tu as des dégâts de radiation, tu as des dégâts de voilà, contre les super mutants, contre les chutes, contre les bêtes, contre tout le poison, etc. etc. Tu as tes soins, donc tu as ton steam pack, ce qui est ton soin tout simplement. Après tu peux bouffer de la viande, tu as ton arbre de talent aussi. Donc ton arbre de talent, il faut prendre ça vraiment très au sérieux. C'est pas tu commences sur le jeu et tu fais n'importe quoi, tu mets n'importe quel point nulle part, etc., etc. Si j'ai placé des points ici à certains endroits et tout, c'est pour que je joue de façon précise, pour que tel build marche avec ce truc, tu vois. Genre j'ai passé de longues heures à me faire un build pour que je, tu vois, je me dise ça, si je le combine avec ça, avec telle arme. Et si je fais ça avec ça, si je mets un silencieux sur ça, peut-être que ça upgrade les plus de dégâts, etc. Donc là, je joue un build sneaky, entre guillemets. C'est un build fantôme. En vrai, tu te mets dans un coin accroupi, et genre avec ton sniper, si tu arrives, si les mobs sont cachés, que tu mets une tête comme il faut et tout, tu fais dégâts x4. Ouais, je crois x4, un délire comme ça. Donc dégâts x4, tu one-shot les mecs. Que tu sois en survie, en difficile, en facile, en normal, bon après, bien évidemment. Là, je joue en difficile, en très difficile. Je jouais en survie avant, mais ils ont rajouté une nouvelle survie qui me... Je pourrais y jouer, mais j'ai pas le temps, en fait. Le planning est trop chargé, j'ai pas le temps. Marcher de long, large, à travers sur la map et tout, ça rajoute de longues heures de gameplay, mais j'ai pas le temps. Bref, il y a du contenu. Il y a de quoi faire, quoi. Salut Tony, ça vaut quoi? Y a pas de soucis, Viper, pas de problème. Du coup, t'as tes mal, parce que, bien évidemment, qui dit stuff sur toi, dit aussi poids. Du coup là je suis à 348 sur 350 comme sur Witcher. Tu as les capsules qui est l'argent, la monnaie du jeu. Et du coup vu que je suis full sur moi, je vais dans mon camp et je vais directement poser ce que je n'ai pas besoin. Donc là l'occurrence ici c'est mes armes. Je vais directement poser mes armes. Je me suis fait un coffre pour les armes. Donc bim bam boum, directement armes, fusil à arpent, je n'ai pas besoin. Grenade non plus, ça non plus. Je commence à beaucoup en avoir ça. Mine. Ça je joue pas avec, hors de question. Ça non plus. Et ça non plus. Voilà, du coup je me suis un petit peu vidé. Tu vois que le poids il est descendu. Tu as aussi un système de... Tu as un système de craft. Tu peux créer ta propre ville. Par exemple là avec des structures, je peux créer mes propres structures en bois, etc, etc. Faire mon propre ville. Il y a des mecs qui ont fait des trucs de malade. Ils ont passé genre... Moi j'ai un collègue,
Il a passé ne serait-ce que, je sais pas, je pourrais te dire presque 40 heures sur le jeu à faire une ville. Tu fais ta propre ville, gros. Si t'arrives à ramasser les matériaux qu'il faut et tout, tu fais ta propre ville. Donc tu as des trucs prérequis, des trucs qui ont déjà tout fait. Ou sinon, c'est à toi de faire vraiment. Tu poses tes trucs, tes planches. Et tu fais ton bordel, quoi. Des structures en bois, etc. Tu as plein de trucs, quoi. Vraiment plein de trucs, hein. Des trucs en métal. Déjà tout fait. Donc du préfabriqué. T'as déjà plein de trucs. Et comme c'est en mode apocalyptique, le délire il est ouf, quoi. Après, bien évidemment, il y a des mods, du coup, il y a plein de trucs. Encore tout à l'heure, on m'a passé une vidéo, c'est Papy qui m'a passé une vidéo d'un personnage d'un X-Men qui s'appelle Quicksilver. Je sais pas si vous connaissez en fait. C'est le fils de Magneto. Et cette personne a le pouvoir de ralentir le temps. Du coup, il y a des mecs, ils ont fait carrément des mods où tu joues Quicksilver sur Fallout 4. Donc du coup tu ralentis le temps, tu tapes tous les ennemis, tu peux raccélérer le temps. Il y a des mecs qui ont fait One Punch Man, je crois. Tu mets une droite sur les ennemis, tu les enfonces. Il y a trop de modes sur le jeu, trop de modes. Tu peux jouer Buzz l'éclair, tu peux... Trop de modes. Et tu peux faire ce que tu veux, franchement. Et c'est pour ça que je trouve que le... Je trouve ça ouf, mec, franchement. C'est trop. Il y a trop de trucs à faire. Tu peux passer vraiment de temps. Donc tu comprends pourquoi le mec il a porté plainte contre ce jeu ou pas. Tu as compris ou... Tête de mascotte, il y a plein de trolls, il y a plein de trolls. Il y a plein de trucs trolls, il y a plein de dédicaces à des films des années 80, plein de dédicaces à des acteurs aussi. Trop de trucs, mec. Trop de trucs. Et encore une fois, les gens, quand tu m'entends parler, ils ont l'impression que j'ai été acheté par Bethesda ou par Uncharted ou par quoi, Naughty Dog, ce genre. Pas du tout, c'est juste que franchement, quand je kiffe un jeu, ça se voit et... J'adore partager ça en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des lives. Hein. Si j'aimerais pas, ça servirait à rien que je le fasse. Mais j'adore, franchement. Merde. Bufou, je ne servirai pas. Purifié, aux salles. Je m'en servirai pas. J'ai des drogues aussi sur le jeu. Donc après, il y a plein de trucs par rapport à l'arbre de compétences que je t'ai montré tout à l'heure. Il y a plein de trucs, par exemple, tu peux te droguer. Donc tu peux ralentir le temps de toi-même. Tu peux genre subir aucun dégât et tout. Mais si tu te drogues trop. Tu deviens dépendant de cette drogue. Du coup, tu es obligé de trouver cette drogue pour te droguer ou sinon tu perds de la vie ou ce genre de choses. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Nicolas, attends, je vais faire ça aussi. Ok, merci. Soin, Nicolas. Psycho, j'en veux pas. Radaway, Radix. Hop. Ok, Saint-Radier. Viande de fin de jeu. J'aurais dû les garder les viandes en fait, je suis con. Viande de loup. Je vais les faire cuire. Je vais les faire cuire. La cuisse. La cuisse, la cuisse. Comment il s'appelle ce truc déjà? Overdrive. Chance de coup critique plus 25% mon frère. Tu te mets un overdrive dans la veine, gros. Ah, c'est sérum mystérieux. Ok. Je vais faire cuire tout ça. Il y a un truc pour faire cuire ta viande. Tu peux faire cuire ta viande, par exemple, tu tues des bêtes, tu cuis ta viande, mec. Donc tu vas, hop, il te demande pour faire un rôti, par exemple, tu as tué 3 bêtes. Et là, regarde, c'est... Voilà, par exemple, il y a des ghouls sur le jeu. Les ghouls, c'est des humains qui ont été avec des dégâts radioactifs, ont été transformés. Donc c'est des sortes de zombies qui viennent sur toi et tout. Ces ghouls en fait, tu peux devenir l'une d'entre elles, tu peux les manger et tout. Par exemple sur le jeu, au lieu de manger de la bouffe comme ça, chasser pour manger et tout, tu peux aussi très bien, si tu mets des points comme il faut et tout, manger des propres ghouls. Tu vois, je te dis, ou boire de l'eau radioactive, mais ça te fait plus de dégâts. Tu peux faire trop de trucs. Il y a je sais pas combien de builds à faire sur le jeu. J'en ai fait deux moi, deux builds totalement cheatés. Mon autre build, je joue tout nu, frère. Tout nu avec un couteau. Et je me téléporte sur les ennemis, je les one shot. Je remets des coups de lame comme ça, je les one shot. C'est totalement cheaté, frère. Et d'ailleurs, si vous voulez les vidéos, encore une fois, point d'exclamation F4, ça va vous rediriger directement sur YouTube. Sur la playlist que j'ai fait sur Fallout 4. Qui a plutôt bien marché en fait. Franchement, ça a beaucoup plu aux gens. Vous avez tout ce que j'ai fait en tutoriel, c'est dans cette playlist. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, il y en a une trentaine je crois. Mais c'est déjà ça quoi. Ok.